garçon de s'asseoir. Il y a plus de parents qui a trahi un vétéran. Le chien ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. J'ai vu une poule traînant les intestins d'une autre. Elle rira bien, qui rira le dernier. Le crapaud sorti du marigot a annoncé que le croco avait des mots. Ah, si tu ne vis pas dans l'eau, est-ce que tu peux dire que c'est faux? Le chien ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. Qui a bu? Qui a trahi? Le chien ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. Qui a bu? Qui a trahi? Ne peut pas changer sa façon de s'asseoir, concert live. Oui, c'était, je sais plus, Moktedo ou Puitenga. Allez, voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, c'est un bonheur toujours renouvelé de vous retrouver, partager avec vous ces moments, ces vibrations positives. Big up à toutes et à tous. Et puis, on s'installe, on passe le message au voisin, à la voisine. Je suis Sam Skaludja et c'est parti. La vie qui est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, quel que soit Alpha, il ne faut pas baisser les bras.
C'est le leitmotiv, c'est l'énergie positive qui nous anime et qui nous guide. Oui, il y a des moments où on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne va pas, mais il faut se dire que les problèmes, ça n'arrive pas aux arbres, mais plutôt aux hommes. Raison pour laquelle il faut savoir se ressourcer et repartir. Tout à l'heure, c'est donc le nouvel an, spécialement avec des artistes reggae que nous appellerons un peu partout dans le monde, qui nous feront le bonheur, qui nous feront l'honneur d'adresser leurs vœux à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Et tout de suite, nous allons retrouver le vieux père Beta Simon. C'est une grosse surprise, une très très grosse surprise. Oui, ça fait très longtemps. Bonjour grand frère, comment vas-tu? Bonjour Sams Kaloudia. Bonjour à la famille et bonjour à tout le monde autour de toi. Merci. Bonjour, vraiment. Je vais très bien. Merci pour l'honneur. C'est une grosse surprise que j'ai voulu réserver à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Alors, c'est le nouvel an. Quels seront donc les vœux du grand frère Beta Simon? La première des choses que j'ai à dire, c'est que il faut d'abord décomposer le nouvel an. L'année, c'est 12 mois. Et dans les 12 mois, il y a des semaines, il y a des heures, il y a des minutes. C'est chaque minute, seconde de la vie qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en considération. Parce que une année, c'est comme quelque chose qui est en gros. Mais quand on détaille une année, on trouve les secondes. Pour ne pas vraiment aller très loin, honnêtement, tu ne peux pas demander autre chose que la santé physique et spirituelle. Yeah. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La première des choses dans le monde, c'est la santé. Si on a la santé, on peut obtenir ce dont on a besoin. On peut se donner la capacité d'aller faire. Et dans la vie, il faut d'abord être, faire et avoir. Donc, pour être, il faut être en bonne santé. Donc, ce que je demande, ce que je souhaite, mes voeux les plus sincères que je peux souhaiter à tout le monde, c'est la santé. Voilà. La santé à tout le monde. Merci beaucoup, grand frère Beta Simon. Ça fait, mon frère. Ça fait vieux. Ça fait très longtemps. Alors, oui, c'est vrai. Oui, et j'ai essayé, et à tout hasard, les connexions cosmiques faisant les choses, ben, le grand frère me rappelle, me dit, petit frère, comment tu vas? Je vais bien et c'est un honneur. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui dis merci. C'est moi qui dis merci. Que de bonnes choses à toute la famille. La vie, c'est la patience. Yeah. Voilà. Yeah. Et la persévérance. Et il faut se réjouir du bien de ton proche, de ton ami. Voilà. C'est trop facile de pardonner celui qui est gentil. Même celui qui est méchant, le pardonner, c'est là on fournit quand même, on se dépasse. Voilà. Donc c'est le pardon, c'est l'amour et c'est l'espérance. Il faut vraiment être. La vie, c'est pas hier ni demain, c'est le présent. Yeah. C'est pour ça que je parle de chaque seconde qu'on doit déguster. Faut pas laisser les miettes de bonheur passer dans cette année. Si tu laisses une minute passer, c'est comme si tu avais laissé passer toute l'année entière. Yeah, yeah. Voilà. Il faut être conscient. Même quand tu bois de l'eau, tu dois savoir que tu es en train de boire de l'eau. Si tu dis bonjour, tu dois comprendre que dans le bonjour, il y a bon et il y a jour dedans. Yeah. C'est pas dire les choses comme ça à la volette. Non, c'est être conscient à chaque instant de ce qu'on fait. Voilà. Merci mon frère. Ramde, Ramde, Bugurago, Bugurago, Ramde, Bugurago, Garfan, Bugurago, Ramde, Bugurago, Bugurago, Ramde, Bugurago, Ligidi pour les papouretins, oh yeah, oh yeah, Ramde, Bugurago, Kelegna, Kambayabadama, Yelazabadamam,
Que cette année, Oui, mon frère. les crépitements des âmes puissent cesser pour le bonheur des populations en Afrique et un peu partout dans le monde. En tout cas, tu sais, c'est un serpent, il est déjà mort, mais il fait peur quand même. Et il y a vraiment pas d'inquiétude parce que la période du bonheur est arrivée. Voilà. Ça dit, il peut y avoir des vicissitudes, des choses qui se présentent, mais le temps, il est arrivé. C'est cette conscience-là qu'il faut avoir. Voilà. Aujourd'hui, imagine où toi tu te trouves, où moi je suis, dans une cabane et on se parle. On dit les choses vont se savoir au moment opportun. Ce moment-là, il est arrivé. Voilà. Mais sauf que c'est ceux qui sont dans l'honnêteté qui vont persévérer. Persévérer, ça veut dire percer et vous allez voir. Voilà. Mais c'est déjà ouvert. C'est quand c'est difficile qu'il faut conquérir. Mais quand c'est mûr, ce n'est pas le moment de conquérir. C'est le moment de cueillir. Donc ceux qui sont prêts à conquérir, ils n'auront rien à conquérir. Parce que c'est déjà mûr. Voilà. Il suffit d'être dans l'honnêteté, dans la justesse, dans tout ce qui a une caution divine ou cosmique. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas dans ton entreprise. Voilà. Mais toute entreprise qui a une base de sponsors de mensonges, je m'excuse, ça va dégringoler, c'est normal. Voilà, un château de sable ne peut pas rester là comme ça. Et quand dans la forêt, tu vois qu'il y a la tornade et qu'un arbre tombe, c'est que cet arbre-là a plus de branches que de racines. Ah ouais, ben on aura l'occasion une émission entière consacrée au grand frère Beta Simon. Merci mon frère, Merci merci encore, beaucoup. grand frère, et puis on se dit à très bientôt. Merci pour les vœux, merci pour le temps, merci pour l'humilité. Que Dieu te bénisse. Allez, c'est Merci. avec le titre Ramdé qu'on va se dire rendez-vous la prochaine fois pour partager d'autres vibes. Big up, grand frère. On dira infiniment merci au grand frère Beta Simon à l'instant avec nous. Et nous partons côté Abidjan retrouver le Gangaba de Trenchtown, Ismaël Isaac. Bonjour mon vieux. Salut, salut Sam Scalugia. Comment vas-tu, grand frère? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Sambé, bonne année. Voilà, Samy, Samy, vous t'ai dit, hein, beaucoup de bonnes affaires. Que de bonnes affaires, surtout beaucoup, beaucoup de santé. Merci beaucoup. Quand il Alors, y a la santé, on peut tout faire. ils sont nombreux, elles sont nombreuses qui sont connectées actuellement. Quels seront les vœux du grand frère Ismaël Isaac pour tous ses fans à travers le monde? Ben, moi, mes vœux, c'est d'abord santé d'abord pour tout le monde. Santé. Et puis, que l'année 2023 ait moins de problèmes, quoi. Moins de problèmes. Et puis, bon, vraiment, ce que ton cœur désire dans ton cœur, là-bas, toi, ce que tu le sais avec le bon Dieu, que Dieu n'ait qu'à réaliser ça pour toi. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Oui. Et j'espère que le nouvel an a bien démarré de ton côté.
Et je Ça vois vient de que m'arriver. Oui. tu as donné un concert, c'était dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'était Oui, full jazz, oui, comme oui. d'habitude. Oui. Et puis, on a beaucoup de trucs à faire. Et puis, on est en train même de préparer. Normalement, je devrais jouer le 22 avril. C'est le jour de mon anniversaire même. Voilà, c'est la date de ma naissance même. Donc, je vais en profiter pour fêter mes 36 ans de carrière. 36 ans de carrière le 22 avril Voilà. prochain. Et puis, c'est le jour de mon anniversaire à moi-même, ma date de naissance. D'accord. Donc, Sofitel. on va noter ça. Hôtel Sofitel à Abidjan. Voilà. 20, pour fêter, donc, 22, voilà. Oui, 22 c'est avril. ça. Voilà. Le Gangaba de Trenchtown. Merci, Oui, salut mon frère. merci Non, c'est propre. beaucoup. Merci beaucoup pour ta Merci, merci disponibilité. beaucoup. Merci, merci Et beaucoup. voilà, merci encore, merci pour tout. Et Merci beaucoup. voilà, tu salues la famille, embrasse les enfants Merci et beaucoup. un gros bisou à Kadi, la chanteuse, Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. hein. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci mon vieux. Allez, c'était donc Oui. à l'instant Ismaël Isaac qu'on recevait depuis Abidjan pour nous présenter ses voeux pour le nouvel an. Ou est-ce que on continue, on continue, on continue? Et après Ismaël Isaac, où est-ce qu'on va aller là? Où est-ce qu'on va aller? Allez, on va écouter un peu de musique et puis on se décide de là où on va atterrir avec voilà, les bonnes vibes. Prochaine version ici, voilà, c'est Souvenir, Souvenir avec le vieux père, le Gangaba, Ismaël Isaac, le Gangaba de Trenchtown, qui nous donne rendez-vous le 22 avril. Ce sera du côté d'Abidjan pour fêter son anniversaire. Et puis voilà, ce sera également de bonnes vibes. Ça vous dit quelque chose? Bakor, West London. Tous ceux qui sont à Bakor, que Dieu vous assiste. Allez, le tour continue et nous irons du côté de Katiola, Boaké, c'est selon. Retrouver le vieux père High Time. Tous mes respects, vieux père. Respect, brother Sam Scaliger. Yeah, le vieux père High Time. Oui, Yes. le cri du peuple, le Denworo, le Terry Dugu. Biga, biga, pa. Allez, c'est l'occasion, c'est le nouvel an. Alors, quels sera donc les vœux du grand frère pour tous ses fans? Ben, c'est un réel plaisir pour moi de, en ce début d'année, de me retrouver à l'antenne avec le frère Sam Scaliger, Merci. celui qui, pendant plusieurs années et des jours de difficultés, a eu à marcher avec moi
et m'a ouvert le chemin des scènes à Ouagadougou. Yeah. Et l'entendre aujourd'hui être en direct en ce début d'année, un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, grand frère. Et comme on le dit, cette nouvelle année, pour moi, est une année de renaissance. Yeah. Et il faudrait que tout un chacun comprenne que la vie ne nous appartient pas. Et c'est un livre qui est ouvert. Et chacun doit écrire lui-même son histoire. Et cette histoire qui, à un certain moment, Dieu va l'ouvrir et en fonction de nos comportements de chaque jour, nous donner des notes. Yeah. Donc, il faudrait qu'on comprenne que quand on venait sur la terre, on est venu sans argent, sans matériel. Et donc, le jour où on va partir, on ira aussi sans argent, sans tout ce qu'on aura construit. On ira seulement avec les actes qu'on a posés de positifs sur la terre. Yeah. Et dans ce sens, je demande que l'année soit une année de partage, une année de prise de conscience, comprendre que chacun de nous a une mission, pas une compétition pour atteindre quelque chose au bout du compte. Mmh. Et qu'on comprenne que la vie d'autrui, notre vie, ne nous appartient pas. Mais disons, faisons en sorte de détruire le monde. Et alors, je demande encore à ceux qui ont la force de pouvoir nous diriger, ceux qui ont le pouvoir de comprendre qu'avoir la force d'exécuter, d'amener les gens à faire ce qu'ils désirent, c'est-à-dire ceux qui ont la force, qu'ils comprennent que s'empêcher de le faire et partager les aspirations des peuples aussi et avoir une seconde force. Et donc, je demande à tous les gouvernants d'avoir cette deuxième force, le pouvoir de pouvoir brimer et s'empêcher de brimer. Yeah. Et ça veut dire qu'on a deux pouvoirs. Yeah. Et yeah. ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Yeah. Et que la santé, car la santé, pour moi, la santé est la clé de tout. Et la santé, pour moi, c'est un simple mot, on dit la santé, mais c'est une clé qui permet d'ouvrir le château. Le château dans lequel il y a le bonheur, il y a le succès, il y a plein d'autres choses. Donc, quand on a la santé, on peut penser à toutes autres choses. On peut avoir les milliards, mais sans santé, on oublie même qu'on a l'argent. Yeah. Et donc, qu'on se donne la main et qu'on comprenne que, artistes que nous sommes, Dieu nous a donné ce pouvoir. Et pour ceux qui le savent, l'œil de l'artiste est au-dessus de la pyramide. Yeah. Donc, ils comprennent, ils écoutent avec assez de calme et de munitions tout ce que les artistes disent. Parce que ça ne vient pas d'eux, mais ça vient du divin. Yeah. Donc, qu'on comprenne tout ce qu'on traverse aujourd'hui. On voit cette guerre asymétrique qui est en train de terroriser le monde entier. Il faut qu'on comprenne que la porte d'à côté, quand il y a le feu, si tu peux, il faut l'éteindre. Mais il ne faudrait pas attendre parce qu'après, sa maison, ça vient chez toi. Absolument. Donc, que chacun comprenne que c'est une force, l'ensemble, une solidarité pour pouvoir faire face à ces calamités qu'on voit. Chaque matin qu'on se réveille, il faudrait qu'on commence à consommer la paix, le pardon, le vivre ensemble pour qu'il y ait une harmonie réelle dans ce monde que Dieu nous a offert. Yeah. Est-ce que les animaux ont toujours besoin de faire ce qu'on a pour pouvoir vivre? Yeah. Les plantes, partez dans une forêt, vous verrez les plantes cohabiter. Mais ces plantes ne s'y feront pas la guerre. Tu ne verras jamais une branche d'un baobab casser la branche d'un oranger, ainsi de suite. Yeah. Mais nous, pourquoi nous? On a tout eu, Dieu nous a tout donné, toutes les facultés. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour nous détruire. Pour des biens, pour des intérêts qui, ma foi, ne servent que le moi, trop développé chez certains. Merci beaucoup, le vieux père High Time.
et tu transmettras notre big up au mouvement des Rastas dans le nord de la Côte d'Ivoire et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Absolument. Et je pense qu'à travers ton canal, mon pays d'adoption, le Burkina, que j'aime tant, et je souhaiterais me retrouver avec mes frères pour groover, Pour jamais. pour jamais. Yes, I. One love, brother. One love, grand frère. Big up, big up, big up. Et à très, très bientôt. One love. Et c'est avec le cri du peuple qu'on se dit au revoir, grand frère, high time. Thank you very much, brother. Yeah. Qu'ils appellent voix sacrée. Ils deviennent dangereux quand ils se voient dans ce cercle vicieux qu'ils appellent voix sacrée. Ils se soucient très peu du bas-peuple qui les a aidés. Assis dans le palais, après des votes au rabais, les budgets de guerre qui grimpent sans cesse. Ils sautent le champagne quand le peuple dans les campagnes. Nos artistes reggae à travers le monde qui vous présentent leurs vœux pour le nouvel an 2023. Et nous allons du côté de Jacqueville retrouver le fils de Jah, Mr. Kadjim. Comment vas-tu, mon frère? Je vais très bien et toi-même. Mon vieux, voilà ton fils. Arrête-toi. Bonne année, bonne année, bonne année, mon frère, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bonne année à toi aussi. En tout cas, que la santé soit au rendez-vous, que les affaires prospèrent, que Dieu te donne toujours la force de continuer à faire porter la voix du reggae un peu partout où tu es et que la vibe soit toujours bonne. Merci beaucoup, Kadjim. Alors, pour tous ceux, toutes celles qui nous suivent, quels seront les vœux? Et puis, également, j'ai annoncé la sortie prochaine de ton nouvel album. On en parlera également. D'accord. Ce que j'aimerais souhaiter à tous ceux qui sont à l'écoute pour cette année 2023, c'est qu'il y ait un peu plus de reggae dans leur vie, parce que le reggae, c'est la vie. S'il y a du reggae dans leur vie, je suis sûr qu'elle n'en sera que meilleure, qu'il y ait de plus en plus d'albums de bonne qualité pour venir entretenir ceux qui aiment cette musique. Je leur souhaite une excellente santé. On a traversé des années difficiles ces 2 dernières années avec le Covid et tout. Et j'espère vraiment que cette année va être une très très bonne année du point de vue de la santé pour tous et que les albums de qualité, les spectacles de qualité, que nos artistes vont briller un peu partout sur la planète parce qu'il y a du reggae partout sur la planète et partout où un des nôtres brille, nous, ça nous fait forcément plaisir. Alors, j'espère vraiment que ça va être une année, une grosse année de reggae sur toute la planète. Alors, pour ce qui concerne le prochain album. Le prochain album, là, il est annoncé pour le mois de janvier. J'ai pas les 2 dates exactes parce que les marketeurs sont en train L'album est fini, il est fini depuis 2 mois maintenant. Là, les disques ont été pressés, on attend incessamment donc qu'on nous communique la date pour lancer la machine. C'est un album de 16 titres, très varié, plus varié des albums que j'ai fait parce que le titre de l'album c'est Raga Africa. Et pour moi, il était question de montrer un peu toutes les variations qu'on peut trouver dans notre musique en partant des rythmes traditionnels de chez nous jusqu'aux Antilles, parce que notre musique a voyagé d'Afrique aux Antilles, et donc il y a des rythmes de compas, il y a des
dans des Igribiti, il y a des de trappe, il y a vraiment à boire et à manger. Au niveau des textes, ça reste tout toujours le Kajim qu'on est. Il paraît même que le message s'est un peu durci, mais je pense que c'est dû au fait aussi que la réalité se durcit autour de nous. Yeah. Donc, il faut que les textes s'adaptent à la réalité. Mais en tout cas, c'est un album que pour ma part, j'aime beaucoup et j'espère qu'il plaira au public. D'accord. Kajim, merci beaucoup pour le temps, pour la disponibilité. Et on se donne rendez-vous pour déguster le nouvel album. Il n'y a pas de problème, que Yann te garde et puis bonne écoute à tous, que la soit avec vous. Yeah. Allez, c'est avec le titre Tremblé qu'on se dit au revoir et puis à très bientôt. Yeah, wow, bon. Continue pour recueillir les vœux de nouvel an de nos artistes reggae. À l'instant, Kajim et voyage vers la Suède à retrouver Mr. Natremi. Allô, Rasta, comment vas-tu? Rasta, je vais très bien. Alors, tous mes vœux les meilleurs pour le nouvel an. J'espère qu'il a bien démarré de ton côté. Ouais, merci beaucoup. Alors, le nouvel an a bien démarré de mon côté. Et je souhaite bonne heureuse année à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Sams Kaleja. Je souhaite à tout le monde beaucoup de vibrations positives et déjà nous glorifie de santé et beaucoup d'espérance. Yeah. Alors, il y a des moments où il y a un peu de fluctuation dans ta ligne. Tu utilises un micro, un casque ou je sais pas trop. Il y a des moments où allô? Oui, je t'entends d'une manière répétée. Je n'utilise pas un casque. J'utilise simplement le téléphone. Il y a rien d'autre. Ok.
Alors, les vœux renouvelés pour le nouvel an 2023 avec Mr. Natremi. Alors, très très bientôt, ce sera la sortie probable hein, du prochain album sur lequel tu travailles. Est-ce que ça évolue? Allô? Inch'Allah, on est en train de travailler toujours là-dessus et on espère bientôt dans l'année 2023. Inch'Allah. Inch'Allah, Allez, on te dira grand merci. On va se dire au revoir avec ce titre Afrique, avec le bras de Natremi depuis la Suède. Merci pour la disponibilité, merci pour le temps et love and peace. Big up, big up. Yes, I. Music from Africa for positive people around the world. Yes, I love it. Africa, yay, Africa, yay, mom. Oh, mama, Africa. Africa, yay, hey. Africa, yay, mom. Oh, mama, Africa. We don't bear to see the love. If I'm done, they'll bear to say, I love. Babylon, come back, like. Afrikiye, version avec le Mr. Natremi. On retrouve le tonton de la reggae music made in Burkina Faso, le tonton Roger Wango. Alors, tonton, comment allez-vous? Ouais, je vais super bien. J'espère que il en est de même pour toi. Ben, déjà fait grâce et ça fait plaisir de revoir ce sourire. Yes, ça. Alors, c'est le nouvel an et voilà, on essaie de faire le tour du monde pour que les artistes préférés de nos auditeurs et auditrices puissent leur adresser leurs vœux les meilleurs et quels seront les vœux pour vous à l'endroit de tous vos fans. Vraiment, comme on le dit, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, voilà, la paix, surtout pour ceux qui sont au Sahel. En tout cas, que du bonheur pour toutes les femmes. Et vraiment que le vent de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble souffle sur le Sahel. Merci beaucoup, tonton, que Dja entende vos voeux. Alors, quelles sont les actualités musicalement parlant pour le tonton Roger Wango? Oh bon, pour 2023, on espère reprendre vraiment la route, le bâton de pèlerin, pour faire quelques concerts déjà au Burkina et ailleurs aussi dans le monde. Donc on espère que ça sera une belle année. Et y a-t-il un projet pour un nouvel album? C'est en cours, c'est en cours. Bon, donc j'attends que tout se précise vraiment pour en parler. Voilà, sinon c'est en cours. D'accord. En tout cas, tonton Roger Wango, merci beaucoup. Et voilà, je sais que j'ai une obligation d'ouvrir une boutique en ligne parce que beaucoup de fans demandent de temps en temps où est-ce qu'ils peuvent acheter la musique du tonton Roger Wango. Et on va s'y activer pour que cette boutique en ligne soit effective pour que les uns et les autres puissent acheter vos chansons. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Et c'est avec Yadi qu'on va se dire au revoir. C'est à moi de te dire merci. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Excellente soirée à eux. Et puis, à très bientôt, j'espère. Et les amis là, est-ce que ça va les amis? Et oui, les amis là, moi ça ne va pas les amis. Darfa, darfa, mamana bangé, mamana débouri, bangan tebantebe, pam tum kandibo. Yes, j'adore cette version.
Le Yadi, avec le tonton Roger Wango. Merci tonton pour l'humilité, pour la disponibilité, pour les conseils, les bénédictions. Que Dieu continue de vous guider, de vous apporter force, énergie positive. Amen, 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 amen. Qu'il nous garde longtemps ensemble. Amen, tonton. Merci et à très bientôt. Bye bye. Bye. Ciao, ciao, tonton Roger Wango. Tonton Roger Wango, Yadi, merci encore Tonton Roger Wango. Depuis Ouagadougou, Burkina Faso, nous irons retrouver Mr. Rickson Dolex. Allô le Bramro, comment tu vas? Allô, le Bramoko, tout va bien, et chez toi? Ben, déjà fait grâce. Et puis, je vois que le nouvel an, tu es actuellement en Europe, en Espagne précisément. Est-ce que tout va bien là-bas? Ouais, tout bien pour le mieux. L'année commence très bien. On est venu rendre visite à des amis et ça se passe très bien ici. Cool. Alors, Yes. c'est l'occasion de présenter les vœux du nouvel an à tous ces fans, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Quels seront donc les vœux de Rickson pour tous ceux et toutes celles qui nous occupent? Je pense que je formule deux vœux. Premièrement, la clé de la vie. Et deuxièmement, l'amour. Il faut que tout un chacun essaie de cultiver l'amour. Aujourd'hui, si on... Est-ce que tu peux reprendre parce que ça s'est coupé? Je disais que j'ai deux vœux. J'ai deux vœux que je tiens vraiment à formuler cette année. Il y a la santé. La santé qui est la clé de la vie. Allô? Samska? Oui, je suis là, j'écoute, oui. Et l'amour, parce que aujourd'hui, s'il y a des guerres par-ci, par-là, je pense que c'est manque d'amour. Et si tout un chacun essaie de cultiver l'amour au sein, je pense que ça va arrêter beaucoup, 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 beaucoup de fléaux. Et cette année, mon souhait est que d'ici fin 2003, que la paix revienne dans toute l'Afrique. 2023. D'ici fin 2023, qu'on ne parle plus d'histoire des terroristes, des attaques, et que les déplacés puissent repartir dans les lieux d'attente, et puis que la paix et l'amour existent, qu'on puisse cultiver entre l'amour entre nous les hommes. C'est très important, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est mon souhait d'ici que fin 2023, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, toute la sous-région quand même. Que la paix règne, qu'on ne parle plus de sécurité, qu'on parle de la sécurité. Yes, En tout cas, Mr. Rickson, merci beaucoup pour les vœux. Quels sont donc les projets à venir pour 2023? ouais, le projet bientôt, comme je l'ai dit, je suis en train de faire le clip sur Femme battue et le clip et le morceau de Bobo Dioulasso. Rendre hommage à Bobo Dioulasso. C'est la promotion qui continue et on a des concerts à vie, on a des tournées à travers la sous-région. Donc bientôt, je serai aux côtés du Burkina pour réaliser ces clips et puis relancer encore les tournées. Donc la promotion, ça continue toujours et on a des dates qui sont déjà calées, quoi. Sans relâche. Yes, le combat Mister Rickson, merci beaucoup et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, très très bientôt. continue. Big up à tous ceux qui sont connectés, vraiment ici de tout cœur avec eux. On est ensemble. Yes, Mr. Rickson. Il faut rappeler que le dernier album, c'est Révolution, disponible Yes. sur toutes les plateformes de Les vente en ligne. plateformes. Yes. Ça, c'est vrai. Toutes les plateformes. Il suffit de taper Rickson Dolex.
Et sur toutes les plateformes, vous aurez l'album Révolution, un album d'une grande facture, quoi. Yeah. Yes, I. Allez, merci beaucoup. Prends soin de toi et à très très bientôt. Reste béni, stay blessed, buddy. Yeah, man. Allez, le tour continue. On va retrouver Mr. Freeman Tapili, l'homme qui keep tout, qui keep tout. Alors, Mr. Freeman, comment vas-tu? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va très bien. Bonne année. Vraiment, merci. Bonne heureuse année à toute la planète Terre, à l'Afrique et surtout au Burkina Faso. Yeah. Alors, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, c'est les fans de Freeman Tapili. Quel sera le message pour le nouvel an? Cette année, on va demander au grand Babu de toucher le cœur de toutes ces créatures et humaines. Je vais parler pour qu'il y ait beaucoup de paix sur la planète Terre qui souffre aujourd'hui. Et ces enfants les plus privilégiés qui sont nous les hommes, nous sommes en train d'apporter de la tristesse dans le cœur des uns et des autres. Et je pense que 2023 doit être l'année où on essaye d'éradiquer un peu cette haine-là dans les cœurs, pour s'aimer l'amour, la compassion, de la tolérance et le pardon, pour que nous puissions vivre ensemble. Yeah. Parce qu'on a des divergences idéologiques, politiques et religieuses qui sont en train de nous conduire à notre perte. Alors il faut que nous soyons plus intelligents, être au-dessus de toute cette mêlée-là pour comprendre que Dieu, il n'a aucune religion, il n'a aucune coloration politique. Dieu n'a pas de couleur humaine. Dieu est partout. Dieu est avec tout le monde. Le riche, le pauvre, le musulman, le croyant, le non-croyant, le chrétien, l'animiste, le rasta, le bouddhiste, ils ont épousé cette manière d'être, l'état d'esprit d'être de Dieu, qui est pour tout le monde et qui n'est pour personne. Voilà. Yeah. En tout cas, merci beaucoup, Freeman. Alors, quels sont les projets en préparation pour 2023? Je pense que 2023, nous sommes en train de tout faire pour mettre. On va essayer de voir si on peut déposer le document de tapis sur un point du globe. Allô? Voilà. J'ai dit, on va essayer de déposer le. Allô? Oui. Allô, j'entends. Oui, là où je te. Voilà. J'ai dit cette année, on va essayer de déposer le petit Freeman du globe pour qu'on puisse situer dorénavant Freeman Tapili, c'est qui, voilà. Parce qu'on a beaucoup tourné notre boss au Burkina et un peu à côté de la sous-région. Donc on essaie maintenant de frapper, de faire encore un autre pas pour aller conquérir d'autres espaces. Voilà. Et je pense que je vais faire un coucou comme ça à mes frères de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, les Kanaks, je leur dis Oléti, Oléti. Ils comprendront ce que de la Nouvelle-Calédonie. Ils comprendront quand je dis Oléti, ils vont comprendre. Voilà, pour que c'est un peuple qui est en train de se battre aussi, je suis avec eux. Et je dis que nous allons conquérir le monde
ensemble. Yeah. Voilà. Allez, Freeman Tapili, merci, merci beaucoup. Et bonne traversée pour 2023, que Dja soit toujours au volant. Merci beaucoup, merci à toi, grand frère Sam Ska, les gars, qui nous inspire et qui continue de nous inspirer, qui nous a tracé les voies. Merci à toi pour le combat, merci à toi pour tout. Et tout ce que nous allons faire comme la non-reconnaissance de ton sacrifice, que Dieu transforme ça en positivité pour ta longue et heureuse vie en 2023. Merci, grand frère. Amen. Zim, zim, ti, zim, si. C'est version avec Freeman Tapili à qui on dit un big up et merci beaucoup pour la disponibilité. On retrouve Mr. Océane Savadogo. Bonne année, mon frère. Bonne année, bonne heureuse année. Une année pleine d'inspiration, une année pleine de conscientisation comme il a toujours fait à l'endroit de la jeunesse africaine, de l'intérêt et de l'extérieur, la diaspora africaine à travers le monde pour qu'enfin. Le vrai combat, comme tu aimes à le dire, le vrai combat ne fait que commencer, que ce combat puisse être vraiment mené et que l'année 2023 soit un déclenchement total de la libération de l'Afrique et de l'homme, j'allais dire, africain tout court. Yeah. Alors, j'espère que les choses ont bien démarré de ton côté. 2023 s'annonce avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de couleurs positives. Ouais, 2023, ça s'annonce avec beaucoup d'inspiration. On dirait que tu as regardé dans les sables. Hein? Ah oui. Ouais, parce que là, je suis en studio, je suis en train de travailler un mendiant assis sur une colline de diamants. Yeah. Je vais t'envoyer pour la primeur parce que nous devons aussi contribuer musicalement comme on l'a toujours fait. Yeah. À cet élan général qui traverse l'Afrique pour beaucoup plus de. De prise de conscience de la nécessité du combat parce que nous pensons humblement que l'environnement géopolitique international est favorable, d'autant plus que ceux qui ont pour coutume de nous maintenir sous leur joug ont des soucis internes. Mm-hmm. C'est à nous d'être suffisamment conscients et engagés pour en profiter et lever de part et d'autre des grands leviers de combat, des plans de combat. Et en tant qu'artiste, ma contribution sera vraiment en musique. Yeah. Et pas seulement parce que je t'informe que je me suis fait enrôler comme VDP, mais jusque là, je n'ai pas été appelé pour la formation. Ben voilà, l'essentiel, c'est le geste, c'est comme on le dit, et on espère que chacun, à travers sa modeste contribution, apportera une réponse à cette crise sécuritaire à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés. Ah oui, et toi, tu le fais bien parce que à travers ton émission, tu es suivi à travers toute l'Afrique et pas seulement. Et chaque deux fois par semaine, au moins, on s'abreuve à ta messe pour beaucoup plus de conscience
populaire. Et c'est un exemple à suivre parce que de nos jours, à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'on appelle les TIC, les nouvelles technologies, les NTIC, nouvelles technologies communautaires, sont devenus de véritables outils stratégiques qui nous montrent des chemins que chacun, en tout cas, à son niveau, avec un peu plus de formation, parce que ça aussi, c'est important. La formation fait partie de combats à mener, avec un peu de sensibilisation, de formation, à pouvoir utiliser efficacement ces outils, nous pouvons vraiment y contribuer. Et déjà, je te dis, élévation pour tout ce que tu fais. Merci. C'est vrai, la distance géographique, mais tu es toujours présent parce que tu as dû être à l'avant-garde de l'utilisation de ces outils depuis Ouagadougou. Et on est ensemble. Big up. Big up. Et bonne inspiration pour la séance studio. Tu ferais un big up à tous les musiciens, à l'arrangeur et à tous les techniciens. Je vois qu'il y a une belle ambiance. En tout cas, bonne inspiration à vous. C'était donc Mr. Océane depuis Ouagadougou. Et c'est avec cette version qu'on lui dira merci. On va l'accompagner dans ses inspirations. Merci. Big up. Ce soir, on se battra et on vaincra. Nous sommes les enfants des Sankara. On cèdera pas un mètre carré. C'est notre étoile à qui que ce soit. On se battra et on vaincra. Comme des enfants des Sankara. Après, donc, Mr. Océane, à qui on dit un big up, on retrouve Mr. Osibi. Allô, comment tu vas? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Je vous entends très bien. Oui, là, c'est bon, là. Ça s'était coupé. Alors, apparemment, le serpent, il n'est pas encore mort dans ton téléphone, là. Ah oui, le serpent n'est pas mort et il a ses petits-enfants qu'on va s'occuper d'eux bientôt. Bonne année, bonne heureuse année 2023. Quel sera ton message, quels seront tes vœux pour tous tes fans à travers le monde? Je profite pour te souhaiter bonne année, toi et ta famille. Merci. Et surtout les fans à travers le monde, bonne heureuse année. Et au peuple burkinabé, bonne, surtout la résistance que cette année 2023 son résistance de sortie des crises, qu'enfin nous puissions tuer le serpent et passer au développement. Yeah, 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 yeah. C'est super important. Et quels seront les projets pour 2023? En exclusivité, il faut dire que je viens de poser ma voix sur mon dernier single. Il va s'appeler Bac, histoire d'appeler les uns et les autres qui va à lutter. Allô? Contre le terrorisme. Allô? Qui va s'appeler Rabac. Ok. Ça va s'appeler Rabac, il ne faut pas diviser. C'est dans l'union que nous pouvons construire notre pays, c'est dans l'union que nous pouvons lutter contre le mal. Il ne faut pas tomber dans la stigmatisation, c'est très important. Rester unis pour lutter contre le mal qui nous ronge depuis un certain d'années. Yeah. Donc, c'est le sujet que j'ai abordé. Et d'ici là, je pense que les auditeurs de Samska FM auront la primeur. Merci beaucoup pour l'honneur. Merci beaucoup. Et infiniment, merci, Mr. Osibi. Bonne inspiration et que Jah soit au volant tout le long de l'année. Merci beaucoup et à très bientôt. Big up. À très très bientôt. Biwin yabo de wewo. Biwin yabo de wewo. Ama belega la meta non ti wa me. Ama yela la meta non ti wa me. Mika non ti pa me, mika non ti pa me,
Bolga baram nerum digo Barlie komba kumbiga Bolga baram nerum digo Barlie komba kumbiga Ye bolga baram nerum digo Barlie komba kumbiga Ubelega la metubna antiwame Wila la metubna antiwame Le voyage continue, Mr. Jakassa, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, le Jah des Jahs. Yes, I, dans le temps, dans le temps, dans l'extrême grand temps. Toujours, dans le grand temps. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien, et chez vous? Ben, Jah fait grâce. Bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de réussite. Merci, merci. Dans la joie et dans la paix et la santé. Yeah, ils sont nombreux, elles sont nombreuses connectées actuellement qui nous suivent. Quels seront donc tes vœux pour 2023? Ah, je suis honoré. Merci beaucoup pour cet appel. Je souhaite la paix, la joie et la santé et beaucoup de succès à tous ceux qui nous écoutent et à tout le Burkina Faso, surtout la paix dans le temps, quoi. Yeah. Alors, ouais. je sais que Jakassa, aujourd'hui, est en train de se reposer un peu de cette tournée qu'il a effectuée avec le grand frère Tiken Jah Fakoly. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de cette tournée? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles sont donc les énergies que tu as pu tirer pour l'avenir? Vraiment, j'étais très, très honoré de faire... cette tournée avec Tiken Jah parce que c'était une belle expérience et pouvoir jouer devant beaucoup de public et dans des grandes salles, c'était une très belle expérience et c'est un souvenir qui reste inoubliable. Et puis on va essayer de travailler dans ce sens pour que ça continue dans le temps, quoi. Yeah, dans l'extrême grand temps. Alors, oui, quels sont donc les projets 2023 qui démarrent? Quels sont les projets? En tout cas, 2023 démarre très bien. Il y a le clip de Kakistocratie qui va sortir bientôt. Et puis, d'ici le 20 janvier, je serai à Bamako pour enregistrer l'album avec Tiken Jah, comme tu avais discuté avec lui. Et puis, après ça, il y a une tournée qui va se faire, bien sûr, avec mon staff qui est en France, qui est en train d'organiser la tournée. Pour moi, et puis normalement, il y aura aussi des concerts avec Tiken Jah toujours, dans le temps. Dans le temps, dans l'extrême grand temps. Toujours. Yeah. Allez, Jakassa, merci beaucoup. Kakistocratie, c'est le single avant l'annonce, avant la sortie du prochain album qui sera produit par le grand frère Tiken Jah Fakoly. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup à toi pour tout ce que tu as fait pour le Burkina, l'Afrique et particulièrement à moi aussi depuis mon début. On est ensemble, mon vieux père, dans le temps. Dans l'extrême grand temps. Toujours. Allez, big up. Merci, salut les gens. Yeah, man. Merci. Où va mon pays? Version avec Mr. Jakassa. Yes, I. Où va mon pays? Où est ma patrie? Où va mon pays? Où est ma patrie? Dis-moi, où va mon pays? Où est ma patrie? Où va mon pays? Allez, j'aurais souhaité continuer parce que ces moments me rendent toujours heureux de pouvoir vous retrouver et partager avec vous ces instants. Que Jah continue de vous bénir. Je suis Sam Skalouja et on se retrouvera, Inch'Allah. Très très bientôt. Yeah, man. On marque le rendez-vous tous les mercredis, vendredis, dimanche, 20h temps universel. Et on n'oublie pas de télécharger l'application Samska FM
c'est gratuit, c'est disponible pour la promotion de la reggae music. Faire le maximum de vibrations positives. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Plus rien n'est